Voilà, ça va pas intéresser YouTube. Je charge les charges qui arrivent. Alors, on recommence. On recommence in the morning. Vas-y, Edge, en grand Manitou. J'attends tes instructions. Alors. Je commande juste un truc. Hop, hop, on peut y aller. Ah, il veut pas. On peut recommencer. C'est bizarre. Hein. Une fois sur deux, il accepte d'initialiser les graphismes, mais l'autre fois non. Ah. Ouais, non, c'est moi. Je sais pas si je peux faire joindre. Attends, je vais essayer. Alors, multijoueur en ligne, connexion impossible. C'est le bordel. Et tu t'es placé là, donc je vais me placer là. Je pense qu'on est tout bon. On y croit. C'est parti. Je pense que c'est vous. Espoir. Nous vivrons dans la prospérité. Ce sera très beau une fois fini. Ah non. Ah non. J'ai le menu de déconnexion internet. C'était du bluff. Effectivement. Bon bah je vais quitter. Hein. Ça ne marche point. Alors, si moi j'héberge, je veux voir. Je vais tenter ma chance. Si moi j'héberge. Hop là. Oui.
Ah, ah, ils vont être tous contre nous. Ça va être le bordel. Ça va être le bazar, ça va être le boxon, ça va être le bordel. Yeah. Tout le bordel. Au hasard, au hasard. Non, attends, les cons vont pas être au hasard. On va mettre la G là. On va mettre la G là. On va mettre la G là. Et on va mettre la G là. Furtive. Chez le bordel. Essayons. Ce sont les prêts verdoyants. On entend les oiseaux chanter. La machine va s'agrandir. Ça m'a l'air de mieux marcher. Oui, n'est-ce pas? Et c'est pour... Ah, relaxation détente. Ah. Amélioration achevée. Le bâtiment, nous avons un grand projet. Oui, grand projet. Excellente idée, général. Oui. Oh mon dieu, cette option horrible. Disparu. Chantier terminé. Construit pour la Chine. La Chine va s'agrandir. La Chine va s'agrandir. Je sais jamais le coup des points de ravitaillement, j'y arrive pas. Ah oui, c'est comme ça. La Chine a été généreuse. Aïe aïe aïe. Je construis pour la Chine. Construction dans les normes. Bel emplacement. Un bel emplacement. Dans ses dents. Le bâtiment est construit. Je construis pour la Chine. C'est un bon choix. Nous avons de grands projets. C'est un bon début. Chasseur tactique frappant. Mig en vol. Ouais, alors attends, j'en ai un qui fait. Patrouille aérienne en position. Chasseur tactique frappant. Voilà, j'ai le deuxième. Attends, il est où le deuxième avion de chasse? La ah, j'arrive pas à s'écrire une chasse. Mig en vol. Putain, mais il est tellement planqué dans le hangar. Ah non, si c'est bon, je l'ai. Nous défendrons ce secteur aérien. Je croyais que j'avais l'aéroport dans son ensemble, mais c'est bon. J'avais bien l'aéronef finalement. Il fallait que j'arrive à m'en convaincre. Nous avons de grands projets. Prendre livraison. Nous vivrons dans la prospérité. Ah mince, j'avais dit à Olive qui tue que je regarderai mon OBS par rapport à ces pépins, pardon, de diffusion. Faut pas que j'oublie de regarder pour Olive qui tue le coup de l'OBS. Partissons.
Bah alors, ah j'ai eu peur. J'ai cru qu'il m'avait refusé la construction de l'aéronef. Alors que je l'avais délibérément commandé. J'aurais été un scandale. C'est fou comme j'ai l'habitude de faire ma défense, ma primo défense, c'est l'aérien. Ligue en vol. Patrouille aérienne en position. Mais c'est pas une panacée. Hein. C'est pas ça qui résout toutes les attaques. L'aérien peut se faire largement déborder par rapport au temps de recharge des missiles. Même si la souplesse et rapidité d'intervention fait plaisir, il y a quand même un temps de recharge. Les avions sont assez fragiles. Hein. Oui. Avec les bonnes armes, les avions sont assez fragiles. Oui, aussi, ouais. Ouais. Nous vivrons dans la prospérité. Excellente idée, général. Je construis pour la Chine. Le chant internet. Le bâtiment est construit. La Chine va s'agrandir. Je suis assuré d'avoir les magazines. Donc attends, une fois que j'ai fait ça, non, j'ai passé tout pour faire un quatrième avion. Je construis pour la Chine. 800 internet, il faudrait que j'en fasse un aussi. Possiblement bon là. Proche de la. Ouais, du point de ravitaillement. Ça peut être pas mal. Par contre, il faudra que je cumule de la thune. Couler de la thune. On est dans une sacrée position, il est sur le dos, les quatre fers en l'air, Régis, sur le tapis. Sérieux? Il me regarde. Eh bien, sacré Régis. Sacré hop, il s'est remis sur le dos. Ouais, bah construction terminée. Bon, son est fort, hein. Je vais laisser ça. Je vais régler ça. Voilà, ça devrait être moins fort là. Ah, c'est pareil. Bon. Attends, moi j'attends d'avoir les fonds suffisants pour le synchro 500 internet. Et j'ai pas le complexe militaro-industriel. Merde! C'est vrai, je l'ai pas bâti. Faute. Oui, bah je vais le faire là. Ah, merdoum. Ah oui, ça fait un loin de la distance du... Ah non, tu parlais de ça. Oui. Boah. Non, c'est la gestion, le temps d'avoir le ravitaillement en thune, et puis d'être indépendant financièrement avec les pirates de l'internet, quand vous incarnez les Chinois, évidemment. Pardon. Donc on balance plein de bombes incendiaires sur des pauvres... pirate internet. Une guerre calme, hein, c'est bien. Oui, pour le moment, oui. Bah, j'ai mis plein de joueurs, mais en facile. Non, par contre, je suis en train de faire mon autocritique de webcam mal cadré. J'ai un coup d'œil sur mon retour et je vois que vous m'avez en anormalement. Ça doit être mieux comme ça, je crois.
Et on voyait beaucoup le haut, mais pas le bas. Ils attaquent notre base. Ah, ça y est, il y a du peuple qui... Ma vache. Attends, qu'est-ce que c'est que ce véhicule? Ah, c'est leur char de fortune. D'accord. Je suis sanglé et paré. Il est chambé, pareil. Oui, il me faut un 4ème avion de chasse là, parce qu'ils sont sympas à faire. 4 avions, c'est mieux que 3. Bah, comme j'ai de la visite, hein, je vais pas. Oh, il aime bien les coups de pain, Rick. Je vais pas. Hein, voilà, c'était hier. Pas mal les avions de chasse. Non, mais vous bousillez ma Gatling. Notre base est attaquée. Je sais. J'ai pas de trop de buzzer. Incroyable, mais vrai. Je construis pour la Chine. Oui, oui, oui. C'est un bon choix. Pas de problème. Ça sera très beau une fois construit. Ouais, non, c'est bon. La Chine peut faire grandir. Nous avons de grands projets. Division d'Ombre Chinoise. La 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 la. Merdoum. Comment je sors du mode? Merci. Char empereur, ouais. Ils sont si petits vus d'en haut. Oh. Le bâtiment est construit. Ça parle mal. Ah, il faut assombre le propagande. Nous vivons dans la prospérité. 2000, oui. Où est le dépôt de ravitaillement le plus proche? J'ai un avion de chasse qui n'est pas déployé. Nous défendons le ciel chinois. Big chinois, paré à voler. Patrouille aérienne en cours. Nous défendons le ciel chinois. Petit ciel chinois. Chine va s'agrandir. Aucun système n'est sûr. Il n'y a pas de système sûr. Ils ne verront pas qu'il leur manque du fric. Le deux points de ravitaillement le plus proche, je me répète là. La Chine doit s'agrandir. Ah, oh, mais je suis mal cadré, hein, punaise. Et un peu trop sur la. Sur le coin, ouais. On va y arriver, on va y arriver. Bon, je l'aime. Voilà, Megubus. Megubus les plus rentables du jeu. Qui a développé la technologie chat devant l'écran? Je ne vois plus le, mon écran de contrôle. Le chabotage. Réglisse lui-même. Il me regarde, là, il me dit t'as besoin de ma viande. C'est pas l'heure, Réglisse, c'est encore une 2 heures à patienter. Il y a des croquettes ce midi en plus, hein. Ah, j'ai la cavalcade qui vient me harceler. Oh, des cavaliers déjà, yeah. Mais c'est comme un conquérant général au Moyen-Âge. C'est ça. Vu le décor, on peut juste se croire, hein. Du côté rural de ma zone. La tour qui attaque. Nous vivrons dans la prospérité. Il a pas réparé. C'est fou ça. Mais elle est pas endommagée. Attends, si. C'est qui lui? Ah, non, ah ça, il est mort ton tank. Ouais. Il a pas été snipé le. Ah non, il est jaune. Non, c'est bon. Non, il est à l'extrême avant explosion. Mais... Batterie chargée, instruction bien reçue.
Instruction bien reçue. Batterie chargée. Câble de liaison bien rebranché. Et du monde, dis donc, qui vient chez toi là. Ils sont énervés, hein. Oui, d'ailleurs, j'ai un bâtiment en sale état. Ils aiment bien, c'est t'as mis sur ta ligne de front, t'as mis tous les bâtiments civils. Ouais. Les bâtiments. L'horreur. La technique StarCraft, tu fais un mur avec les bâtiments. C'est une tâche, il n'y a pas de système C. Il y a toujours moyen d'entrer. Instruction bien reçue. Il y a toujours moyen d'entrer. La Chine va s'agrandir. Ce sera très beau. Il n'y a pas de système sûr. J'ai mon portable. Bâtiment terminé, chef. Installé ici. Bon, une fois que j'aurai mes deux loustiques de technopirates, je vais pouvoir passer de la défensive à l'offensive. Alors, ça va pas être instantané, mais... Je vais déjà essayer de voir l'ennemi. Voilà, avec le piratage satellite. Il y a toujours moyen d'entrer. Ça me fait penser au jeu qu'on a vu conquérir Regana, ferait que j'aille dessus pour voir un peu s'il était contre Renegade. Renegade. Grenade, choisis ton parfum. Non, j'adorerais y rejouer, hein, comme je te l'avais dit. Mais... Amélioration. Et voilà, il est en promo, il a 10 ou 20 balles sur Steam quand il est en promo. Hein. Et la série Command & Conquer. Ouais, mais j'ai la chance de l'avoir, mais ça me bouffe de me dire voilà, que techniquement, je suis censé pouvoir y accéder. Quoi. Ah, ça y est, j'ai l'info, mon ennemi. Ah, super. Alerte, silo de missiles nucléaires détecté. Bien se frotter le chat. Prends ça pas, dis-moi ce qu'on fait. Non, il va m'attaquer, alors je préfère faire par période, sinon il va s'énerver. Excellente idée, général. Ah, et puis le sage sur Minecraft, j'ai fait le... Ça y est, j'ai fait l'enclos à chevaux près du point zéro. Quand tu meurs, il y a des pancartes partout pour te puisses prendre un cheval et regagner vite ton coffre des anges. Ah, bien. Bien joué. Ouais, il faudra que j'y rejoue... Je pense que j'y rejouerai mercredi soir à Minecraft. J'ai presque envie de dire, je l'espère. Ouais. Voilà, c'est plus tranquille maintenant. Chose prévue, chose faite. Ouais, c'est cool, merci. Non, bah, je m'amuserai à planer un peu voir ce que vous avez fait mercredi. Faudra que je définisse deux dates avec Christella, faudra que je la contacte pour sa visite estivale, là. Et le coup qu'on s'était dit qu'on serait une soirée ciné secret sur Discord pour se mater le dernier épisode de Takeshi Castle. Donc, j'ai la chance d'avoir le fichier vidéo, la vidéo là, démonter le décor, tout le bordel. On rigole à bon coup ensemble. Mais tu fais bien de me le dire. Je continue d'ailleurs à bosser de temps en temps quand j'en ai le temps et l'envie sur ma surprise. Ouais, que je vous dévoile dans Minecraft. Ouais, ouais. Ah! Bah, et... j'écoute vos critiques et j'essaie de faire le mieux, mais on en discute un moment venu. Et quoi, Lionel? Et là, c'est une surprise. Et
Qu'est-ce que je rajoutais? J'ai oublié. En quelques secondes, j'ai oublié ce que je voulais dire. Sur Minecraft. Ah oui. Bon, j'ai pas poussé Vice ultra loin, mais j'ai nommé des chevaux du point zéro et j'ai pas mis de miel sur les étiquettes. J'ai numéroté les chevaux, mais il n'y a pas d'étiquette dessus. Mielé. Avec de la cire. Oui, bah oui. Écoute, de toute façon, c'est des chevaux comme les autres, c'est le principe de pouvoir s'en servir. Eris, devant l'écran. Allez. Est-ce qu'on peut voir juste un coup d'œil ce que fait Jay? Le sage. Très bien, je suis là. Quel est le plan d'action? Bah, pourquoi il est son? Cadence rapide installée. C'est pas Jay ça? Moi je suis en rouge. Bah, comment ça se fait? Bah, vous êtes ennemis tous les deux parce qu'il te voit, il voit pas ton champ de vision. Non, c'est une dans la même équipe. Parce que moi je le vois. Tu vois le centre. Tu vois tout? Ok, parce que lui il voit qu'une petite partie. Ah, c'est une certaine technologie, je sais pas. Ouais, c'est... non, parce que des alliés on peut voir tout de suite quand on est conquérant. Je comprends pas. Mais non, non, on n'est pas ennemis. Ok. C'est la technologie atome. Ça fait un... enfin, je dis atome parce que ça a une apparence de, d'atome, mais je sais pas quel est le vrai nom. Je m'en sortirai. Moi, je vais essayer de gagner du terrain avec le lotus noir, l'agent spécial. Je crois que j'ai bien. Oui. Oui. J'ai pris un char comme ça. J'ai essayé de viser un bâtiment du sage et ça met la croix rouge. Ah, vous êtes ennemis. Donc l'un de nous a pas mis l'équipe. Ah. Donc je pense que. Ouais. Pour vérifier, c'est simple. Il faut cliquer sur la petite bulle, je crois. Sur la petite bulle de l'interface au centre. La bulle de BD. Ah oui, le sage s'est laissé en équipe. Ouais. Parce que moi je suis en équipe 1. Et tout le reste est en équipe 2. Vous êtes en alliance, comment ça s'appelle? Pas passive, mais. C'est quand comment le nom quand on est allié, mais pas vraiment allié ou. Allié de fortune ou je sais pas quoi. Je sais plus. On a des intérêts communs, dirons-nous. Ouais, des intérêts communs, ouais. Quel est le plan d'action? Je vais pirater leur bâtiment. Ah, le temps qui te voit. Bien sûr. Hop, invisible. Oh, bah merde, il te voit plus. Compris. Ah, mais il voit quand même. Ah non, il casse le tank. Il casse le tank casse la caserne. Oh, le petit tapis de bien placé là, blam. Je fais mon sadique. Allez, toutes les super armes, bam 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 bam. Tapis de bombe. Et en plus, c'est un tapis de bombe atomique. Hein. C'est ça. Voilà.
Le sage a fait son vilain, il a tout détruit. Je m'en sortirai. Ouais. Mais donc, t'attaques pas Réglisse. Oh, Réglisse fait son vilain. Je sais pas, j'ai passé le moment pour... Si je le bouge, il va m'attaquer. Il vend le clavier. C'est un félin. Ah mais je vais tourner son attention, voilà. Oui. Allons-y. Cela y apparaît encore. Le nom, moi, c'est mettre un tapis de mine juste devant les bâtiments de production de tank. Il y en a 2-3 qui pètent avant qu'il y ait le dernier qui sorte entier. Général, notre base est attaquée. Alors, je sais pas s'il va s'en sortir vivant, mais voir, si je le garde, ça va être comique. Unité perdue. Ah non, il court pas assez. C'est horrible. On va en faire plusieurs. Voilà. Ils attaquent notre base. On ne peut pas vivre en paix. Je te réveillerai. Ne me frappez pas. Je te réveillerai. Il faut vraiment aller si loin. Je te réveillerai. Ah, d'accord. Je vais travailler. Je te réveillerai. Vous changez souvent d'avis. Je te réveillerai. Qu'est-ce que vous me voulez? Ne me frappez pas. Je fais ce qu'on me dit. Unité perdue. Là, t'as pas capturé des tanks avec le Lotus noir? Bah, j'ai neutralisé quelques véhicules, je me suis amusé à pompe de bâtiments, là, déjà, c'est rigolo. Très économique. Je reprends le ravitaillement. Oula. Les avions, ils ne s'ennuient pas. Hein. Il y a 4 ennemis. Besoin d'un transfert? Alors, Lotus Noir, elle a besoin de soins. Unité perdue. Ne me frappez pas. Eh oui, c'est horrible, mais maintenant, comme j'ai capturé des larbins de l'ennemi, je peux faire des choses. Je vais faire les technologies de la GLA. Oh! Ah oui, c'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. Drôle. Oh la vache, le vétéran, le mec, il a 3 étoiles. Là. Allez, un petit bombardement en règle. Bombardement. Pourquoi j'ai des gels? Oui, il y a des gels, ouais. Oh, le vol planning, cher monsieur. Bah, c'est comme tu dis, les paquets qui ont du mal à circuler sur les parties en réseau. C'est un chien. Si c'est ce que vous voulez. La main. Les fontaines de commerciants. Ça, c'est une engin de mort. Vous avez vu le nombre de chenilles sur cet engin de mort? C'est quand même fou. Hein. Les gels, c'est sûrement de ma faute. J'ai terminé avec ce chantier. J'ai dû couper mon micro, c'est pour ça. Ah, oui. Je l'ai fait par Discord. D'accord. Le jeu fonctionne, c'est bien, c'est déjà ça. Le jeu fonctionne. Tapis de bombes. Bah oui, je suis là, je mets des bombes à fragmentation des mines, là où il y a les gugus qui se promènent. Je veux voir des chaussures. Oh,
Ça, c'est d'un chaleurisme absolu. Lui, il bouge. Tiens, prends là ta chaussure, celle-là elle explose. Bah. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pour les chaussures. Chérie, bougement exact. Nous sommes garde rouge en. Je construis pour la Chine. Nous sommes garde rouge. Nous sommes les gardes qui bougent. Nous combattons ensemble. Nous combattons ensemble. Qu'est-ce que vous me voulez? C'est du boulot. J'ai été cadeau. Nous avons de grands projets. Ah, ça fait du bien de se détendre. Merci à vous d'être là, les copains. Ça change les idées. Dis donc, Réglisse, hein, tu m'as agressé, donc non. Il y a les bâtiments de l'ennemi qui sont en train de cramer. Blindage supplémentaire terminé. Bon, bah, il y a un ennemi vaincu. Bien joué. Un ennemi qui a 20. Pardon. Oui, il en a 20, t'as vu ça? Oui, 20 fois, il sera à l'arrêt. Félicitations, général. Vous avez oh, le palais. Oh, il a pris cher, le palais de... du terroriste. Il a cuit. Regardez-moi, je le décore. On se croirait dans... Merde, le jeu que j'adore, là, qui est très violent, le dégommage... La danse. Non, Soldat de Fortune. Ça m'a Soldat de Fortune. Ouais. Ouais. Je vous l'avais fait en direct ou pas, Soldat de Fortune, je sais plus. J'ai pas de souvenir. Non, pas de souvenir non plus, ouais. Parce que j'en ai gardé un très bon souvenir. Peut-être que je vous le referai un jour, je sais pas. Mais merde, salopard, il tire sur mes canons de ravitaillement. Salopard, le salaud, le salaud. Ah non, mais il fait une attaque stratégique. Hein. Il essaye de me sucrer mes vivres. Pas mes vivres, mes ressources. Pure logique militaire. Ah bah t'es blindé niveau pirate informatique. Et t'as pris quoi? Ouais. T'as pris l'infanterie de Chine? Oui. J'ai pris nucléaire Chine, nucléaire Chine. Ah, nucléaire Chine, parce que je vois qu'ils sont bien améliorés, tes pirates informatiques. Non, ce qui est drôle, c'est que je vais pas faire ma technologie nucléaire, mais je vais prendre celle de l'ennemi que sont les Scuds. Ah oui. Sachant que je suis chinois, c'est drôle. Enfin, si on veut. J'ai d'un grand chalisme. Joli. Bombe atomique en boîte. Oui, bombe atomique en boîte, exactement. Alerte, missile nucléaire lancé. C'est pas où la fête, comme dirait Nayonet. Quel ennemi, Jay? Ah oui, non, il a peut-être le micro coupé. Ah, non, c'est bon. Il a fait boom là. Dédé. Mickey, je vois. Ah, un petit missile nucléaire bien placé. Ils sont en train de bien retirer. C'est violent. Je commande mon homme rouge en... La Chine a été généreuse. Oui, donc je voulais commander un deuxième nucléo canon là. Parce qu'ils sont redoutablement efficaces. Voilà. Pour défendre la base, c'est le bonheur. Ah oui, ce sadisme, avec les camions piégés, ah, quelle horreur. Ah là 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 là. Pa, 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 pa. Je vous apporte la lumière. Comment ça, je vous apporte la lumière? Oui, la lumière nucléaire, oui. Ah bah, y en a qui sont très contents avec ça. Je me mets où? Ah,
J'envoie un message d'enlèvement. C-404 armé. Quel véhicule dois-je ressembler? C'est déguisé en tracteur. C'est drôle. Non, il n'y en a plus. C'est un bon c'est drôle, ça devait toujours apporter un déguisement pareil. Ouais. Je suis pas responsable de la casse. Oh, c'est gros. Ah ouais, c'est marrant, tu veux prendre des trucs neutres? J'avais jamais essayé ça. Ah si, c'est les plus efficaces, c'est les trucs neutres. Tu te fais passer pour un civil, c'est horrible. Mais c'est redoutablement efficace. Ouais. Moi, je sais pas s'il va atteindre sa cible. On va s'amuser à regarder, mais je pars pessimiste. Attends, en attendant, je vais peut-être construire le cible de Skull. Pardon? Il va vite pour un tracteur. Ouais. Un tracteur de course italien, Lamborghini, tu connais? Alors, tu as le droit à une limite de 1 super arme. Mais ça veut dire, est-ce que c'est une limite de super arme par nation ou si tu pirates les autres nations comme tu fais, tu peux en soi plus de faire ton missile nucléaire, tu peux faire aussi le missile Scud. Par joueur. Donc, oui, je vois ta question, mais je pense que c'est vraiment qu'une seule. Je pense pas que tu puisses collectionner les trois différents d'un même joueur avec la limite super arme, je suis pas sûr. À vérifier. Regarde discrètement si tu as la possibilité de la poser sans le faire. Il est mort ton tracteur. Oui, on l'a vu auprès de Derek, ouais. Il s'est fait détecter, mais c'était à craindre. Je construis pour la Chine. Bâtiment déjà construit, tu vois. J'ai pas le droit. Ah, d'accord. Ouais. D'accord, c'est vraiment une super arme. Ouais, vraiment une, sans exception. Ouais. C'est bien ce que je disais. Les pouvoirs des généraux, ils font aussi des petites sortes de petites bombes bien placées, là. Ton une fragmentation, ton bombardement atomique, là. C'est ça. Je sais pas si le bombardement va être efficace, là, vu la configuration. Alors sûr, je vais endommager les bâtiments, mais ça risque d'être modéré au niveau des dégâts. Mais ouais, j'aurais dû mettre la possibilité, en plus ça met du défi, la possibilité d'avoir chacune des trois armes, même si la limite est présente. Ça t'oblige à vraiment à pirater l'ennemi, ça t'oblige à combattre avec tactique. Ouais. Et ça se débloque pas tout de suite, quoi. Joli. Mime. Joli, joli. Oh la vache, les salopards, ils reconstruisent. Il reconstruit immédiatement. Voilà. J'ai vu promotion ou pas? Ah oui. Promotion activée. Je vais améliorer une attaque d'artillerie. Il détruit les plus gros bâtiments. Vive. Nous avons de grands projets. Je vois qu'à l'époque, ils faisaient pas trop la gestion des dégâts dans les jeux, stratégie par petits morceaux. Et juste le bâtiment, il y a une texture différente avec des angles qui sont pliés. Je suis pas certain d'avoir compris ton propos, mais si tu pouvais reformuler. Les effets artistiques de destruction de bâtiments, ils sont assez basiques à cette époque. Ils sont pas moches, hein, ils sont beaux, mais ouais. Par rapport au jeu plus récent, t'as le bâtiment qui se détruit en morceaux. Oui, ils se détruisent quasiment en une seule fois, alors qu'aujourd'hui, t'as vraiment le détail de la dégradation coup par coup, et c'est ça que tu veux dire. Ouais. Oui. Oui, on ne s'en donne pas. Oh la vache, il est en forme, le TTJ. Ouais. Je vais faire une fois ma coupe de Scud et on aura gagné, dis donc. Et Jay, tu as pris quoi comme armée, l'infanterie de Chine? La Chine classique. La Chine classique, ok. La Chine classique. Le peuple que je peux faire dans le. Je lui propose toujours la question.
Parce que le puff que je prends le plus souvent dans le truc de Chine, c'est l'infanterie de Chine, parce que c'est vraiment assez efficace contre, notamment contre les avions. Mais aussi, globalement, tu fais rapidement de l'infanterie, et puis pour pas cher, et puis t'envoies des masses de soldats, et tu rases des villes comme ça. D'accord, qui dit Chine classique dit bien sûr Genghis Khan, les Mongols, tout ça. Ouais. Genghis Khan. Ouais. Bon, Lotus Noir va reprendre du service. Mort aux ennemis dans le temps. On peut prendre leur petit. Il y a des nuages, les ombres des nuages au sol. Ils attaquent notre base. Et vous avez mis des ennemis moyens ou des ennemis faciles? 4 faciles. 4 faciles. Moi, je pense que pas pour. Voilà, on n'était pas là pour se faire. Oui, reposer. Unité perdue. Juste pour le show. Leur bâtiment est à nous. Quand tu vas jouer à gras, on mettra difficile la mener. On va te mettre en stress d'entrée de jeu. Ça va être difficile. Oh là là, ça va être horrible. Si vous mettez 3 difficiles, ça va être horrible. L'ennemi attaque la Chine. Et tu es général ou bien une étoile? Je sais pas du tout. C'est pas grave. Oui, ouais, c'est. Voilà. C'est symbolique. Exactement. Symbolique. Oula, tu prends quelques. Liberté. quelques coups là. Oui, bon. Oh là là, l'état de l'exploitation agricole. Le bâtiment civil qui est en flammes. Le fermier qui est à la ruine. Fermier local. C'est twist. Ah, cette zénitude. Zénitude en pleine guerre. Oui, bah. Oui, c'est moche. Avec zénitude, il envoie plein d'avions sur les ennemis, les pauvres gens qui ont rien demandé. Vous en avez guerre, oui, la guerre. L'apocalypse. Il veut de la guerre, il faut la voir. Apocalypse. On va tirer les scuds. Voilà. Pas sur moi. Hein. Oui, non mais je me permettrai pas, Edge. Je... Scud multiple paré au lancement. La riposte sera forte. Bah, tu m'étonnes. Un genre de foot. Eh ben... Nous avons lancé nos scuds multiples. Oh, regardez-moi cette T-Rex. Mon dieu. Une image. Bah oui, excuse-moi, mais dans la symbolique, c'est ça. Hein. Après, il y a deux scuds. Il y en a 9. Ils vont là, tomber ils vont sur les roses. Cuir neuf, là. Exactement, ouais. C'est sur les roses. 9 roses, ouais. Non, j'ai attaqué les roses. J'ai pas compris la blague, Edge. Alors, ils ont attaqué les roses. Ah, vous attaquez non, les roses. Ce n'était pas une blague. Non, c'est le time flag. Je me demandais s'il attaquait les roses ou pas. Il attaque les bleus. Les bleus, j'attaque le camp Michou. Ouf. Oh, c'est une grande. Ouais. C'est la guerre. Ça fait déjà. C'est la guerre thermonucléaire.
Bon, mon petit agent Sikwit, qui est agent Lotus Nuir. Et Lotus Nuir, il n'y est plus d'espoir. Il a passé par le verre, pour la régénérer, c'est du verre, c'est de la santé, le sage, je peux faire confiance. Je vais te servir un diabolo Nantes, tu vas m'en dire des nouvelles. Diabolo. Je vous ressens. Remarque, la nonasse, elle est en train de marcher dans les radiations. Voilà, bravo, je viens de perdre Lotus Noir. C'est du jus, c'est du jus d'orange. C'est ça. Bah, c'est noyé dans le jus d'orange. Cause du décès sanguine, c'est ça. Elle était trop pâchée, comme une orange sanguine. Ouais. Ça l'a tué. Et c'est moche. Burp. C'est trop pressé, quoi. C'est muche. C'est n'importe quoi, mais je suis en joie. I set the world on fire. Quoi? Ça a neutralisé mes mines à fragmentation. C'est un scandale. Remboursé. Ouais, c'était neutralisé. C'est honteux. Alors, l'incendie suit son cours. Il n'y a pas de pompiers militaires. Hein. Voilà, voilà. Alors, qui veut une alliaise? L'incendie suit son cours, mais ça brûle toujours pas. Ça parle très mal. Ça s'effondre pas. Exactement. On ne peut pas vivre en paix. Allez, un petit marché noir, ça me fera de la thune bonus. Et deux jours après. J'ai fait un assaut avec des camions piégés. On rigole. Ah oui. Soyons. C'est 404. Oui, en trax. Ouais, c'est ça. Et au poison ou à l'explosif, ouais, on a le choix. Allez! En série, construction de camion piégé. Alors on va en suivre un et on va regarder comment ça évolue. Le chalet évolue. Il a dit je sais même plus comment on fait pour avoir les améliorations satellite. C'est le centre de propagande, je crois. Faut-il encore que je la retrouve? J'ai trop de bâtiments. Non, même pas. Yeshui Peldo, Yene Seplo, Yene dans le cou. Ah non, c'est là. Piratage satellite de niveau 2. De niveau 2. Alors, je me déguise en tracteur ou engin agricole de mes deux là. Ils ne verront pas la différence. Voilà, comme tu dis, ils ne verront pas la différence. C'est 404 armés. Ouais. On va dire que c'est un Shukineki de niveau 2. C'est 404 chargé. Bah tiens, on va essayer contre leur bâtiment de marché noir. Attention, je n'ai pas rencontré de nouvelles en chemin. Désolé, pas de numéro. Mais il y a un petit. Il y a une petite armée là, rouge, pas loin. C'est un bon déguisement. C'est 404 armé. Je suis pas responsable de la casse armée. À quel véhicule dois-je ressembler? Ils n'y verront que voilà, ressemble à un agent agricole qu'on rigole un peu. C'est 404 chargé. J'irai jusqu'au bout. Parce que j'ai là, c'est pas dans plusieurs simultanément. Là, je te dis pas que c'est comme que c'est le bazar. Unité perdue. Quoi, alors, si t'en envoies plusieurs, simultanément, ils sont les uns à côté des autres. Le premier qui explose, tous les autres explosent avec. Donc, s'ils sont loin de la cible, c'est gâchis. C'est un truc que j'aime pas moi. Ça nécessite pas mal de micro-gestion, les camions. C'est mon seul but. Oh, quelle horreur. Aïe aïe aïe. Tiens, je vais passer pour un bulldozer. On va changer. Attends, mais je veux bien réparer lui. Là, il est endommagé. Hop, lui, il va prendre le relais. Wouah, le bordel nucléaire. Oh, lui, il a pété là. Oula. C'est le boxon.
Ah bah tu vois ça marche. Bam. J'ai gagné, j'ai gagné. J'ai explosé. En fait, quand s'approchait de son. Ah si, t'as réagi. On a les scuds. J'ai la fête. Service des postes de neutraliseur. C'est la fête. C'est la fête finale. C'est la lune finale. Nous avons lancé nos scuds multiples. Unité perdue. Tout le monde a souffert à l'avancée. Oh la vache, les flashs. Mais c'est ouais. Le feu d'artifice de la fête nationale. UM. Je pense que les radiations vont. Et les radiations toxiques et les radiations nucléaires vont peut-être effacer vont annuler des mines à fragmentation. Bah, observons. On va voir. Ah bah, il n'y a plus de radiation. Il n'y a plus grand chose. Ah bah non, ça fait rien du tout. Toutes ces couleurs. C'est tapis de Noël là. Ouais! Bon, tu observeras, mon cher général Edgek, la résistance est rude face à nous. Hein. Ah. Tu peux choisir le mode d'exécution. J'attends leur reddition, leur armistice, là, à signer. Que faisons-nous? Allez, j'ai plein de camions. Chargé et paré. C-404 armé. Je suis pas responsable de la C-404 armé. Oh, je vais être vicieux, je vais me faire passer pour des gros. Je vais déguiser mon gros feu. J'envoie un message d'enlèvement. C'est un bon déguisement. Bon déguisement, non, ça fait peur. Mais c'est drôle. Allez, humour. Merde, je sais plus où ils sont. Ah oui, ils sont là-bas. Mais voilà. Humour. Ah, ah, cette blague. Cette blague atomique. Oh, les engins de mort. Les engins fragiles. Envie, envie. Les lances suppositoires. Oui, exactement. Explosif. Bon, messieurs, vous me connaissez désormais. Je crois qu'on peut dire que j'ai tous les vices. Je vais aller chercher ma mousse. J'ai une licorne noire qui m'attend au frais dans le frigo pour fêter la victoire et préparer le deuxième combat en votre compagnie. Exactement. What? Ah oui, comme tu dis, waouh! Le bâtiment, il a disparu. En passant sur tes mines, ça n'a fait rien du tout. Bah non, c'est les miennes, elles sont... Voilà. Attends, là, faut m'expliquer un truc, là. Ah, il faut que AJ et moi, on s'en mette plein la tronche, parce que j'ai pas pris le bon groupe, c'est ça? Bah... Ah, c'est ça. Mais est-ce qu'on a réellement envie de se foutre sur la tronche? Non, moi, je peux faire... Je peux faire... Nimp. Attends, est-ce qu'on est vraiment sûr de... Oui, non, je crois en fait, que c'est ça. Qui... Ah, bon, attends, il y a le bâtiment, là. Ah, ah, bah non, c'est un bâtiment neutre. Non, c'est quoi? Si, c'est un bâtiment neutre. Non, mais... Alors, attends, il y a un truc à essayer dans le jeu qui est très intéressant. C'est dire que je vends tout. Est-ce que ça équivaut à une réédition? Enfin, une réémission, je sais plus comment on dit en langage militaire. Le fait de se rendre. Une réédition. Oui. Une réédition, merci. Oui, tu vends tous ces réditions. Une réanimation. Une réincurgitation. Aussi. Une réactivation. Une réincarnation. Une réduction. Une restriction, oui. C'est ça. Un retirement.
Ah oui, alors... Une retraite. Oui, un peu. Général qui part à la retraite. Un chômage. Voilà. Lui qui vendra plus vite ses bâtiments aura... gagné. aura perdu. Voilà, c'est beau, hein. Notre puissance. Ah oui. Unité perdue. Magnifique. C'est comme ça qu'on fait. Victoire. Bravo, LG. Bravo, G, vous avez gagné. Vous avez par la victoire psychologique, il a préféré c'est partir. Ça. J'ai craqué. Ah, il reste des bâtiments bleus. C'est quoi ce travail? C'est bizarre, hein. Mais c'est des bâtiments... Ouais, c'est des bâtiments considérés comme étant non... Ah oui, oui, il y a un site militaire ennemi anti-aérien. Il y a une batterie, il faut que tu la battes. Regarde mon mais signal, les gars. Mais il n'y a pas besoin... C'est bizarre que la batterie... Attendez, pardon. Ah, je reviens, que... j'arrive. Je vais attendre deux minutes, je vais chercher la brousse. Je regarde pour OBS, pour... Ah, c'est que vous allez avoir un autre bâtiment... Parce qu'il y a une tourelle... T'es pas obligé de vendre les tourelles quand tu... Quand... pour vaincre un ennemi. T'es pas obligé de les détruire. Pas obligé, je crois pas. Voilà, c'est bon. Finito. Nous sommes vaincus. Victoire. Félicitations, général EJ. Merci. Ah, c'est marqué fin de la partie, pas victoire. Eh bien. Alors, j'ai créé 64 unités, j'en ai perdu 40. Michel Beaujol, le sage. Vous voyez sur l'écran du sage, je pense. J'en ai détruit, j'ai détruit 171 unités, j'ai construit 17 bâtiments, j'en ai perdu aucun, j'en ai détruit 15. Ressources récupérées, 205 000. Ouais, bien, bien. J'ai géré cette partie. Je laisse le sage voir les résultats. Écoute, je mets son casque. Voici les résultats, le sage. Les résultats du bac. Michel Beaujolais a de la bouteille. Bien sûr. Chez Bao. Message de Torota 77. Bonjour à tous. Regardez-moi le crâne du sage de Nancy. Il est incroyable. Je vais le lustrer et le lubrifier pour qu'il ait le poil brillant. Une vraie tête d'ampoule ou un crâne d'œuf ou boule de bowling. Je ne vous ferai pas un voilà, dessin voilà. Pour les trous. Oh. Oh, t'es un spirit, Rota. Recoucou. Ah, bah, bien. Il a dit les choses. Alors, attendez, on va essayer de relancer avec. Mais juste. J'aimerais regarder rapidement mon interface OBS pour guider Olive qui tue. Le fait d'interdire la mise à jour automatique. Est-ce que c'est pas dans les paramètres d'OBS? Oui, si le logiciel dédaigne me donner la sous-fenêtre de paramètres. Oui, non. Oui, non. Ça y est. Vérifier le démarrage, ouvrir la boîte de dialogue, c'est le démarrage. Alors, carrément, c'est presque la première option, en fait, moi, que j'ai dans paramètres. Alors, attends, est-ce que je peux vous afficher mon truc sans dévoiler ma clé de diffusion? Évidemment, c'est le truc à pas faire. Regarde, Olive qui tue. Je sais pas si t'es là, Olive qui tue, ou sinon je te ferai un clip. Rien que pour toi. Moi, je vais dans paramètres général, et là, t'as vérifié automatiquement les mises à jour au démarrage. Je, évidemment, j'ai délibérément pas activé cette option. Comme ça, on m'impose pas les mises à jour. Comme ça, c'est pas. C'est ça casse pas ta configuration. Exactement. Tu as tout surtout compris. Au niveau du son. Au niveau du son. Ouais. Bon, Ali. Moi, je vais vous quitter. Merci, AJ. A plus, merci d'avoir joué. La bulle d'alcool est dangereuse pour la santé, mais la licorne noire, elle est délicieuse. Ah, je vais la chiroter devant vous. Alors, en dehors de... A bientôt, AJ. A plus, AJ. Oui, merci d'avoir joué. Bon week-end, à plus. Dans la tronche.